même mal raison. Mais ça qui explique les goudlans après pas ta souhait l'an mais de là, faut que joignons l'autre responsable. C'est jamais lui-même qui est responsable. Alors que après, mon Dieu, c'est lui qui a plus de pouvoir dans le pays. Ok? Moun pas qu'à manger, mais produit première nécessité, yo monte tête nègre, faut. Même président Jovenel Moïse, qui doit après, bon Dieu, c'est lui qui a plus de pouvoir dans le pays, mais il faut chercher un monde dans le secteur privé pour le bail. Bien, blackout, il faut joindre un secteur pour le bail. Et dans même déclaration, ça, voilà, c'est notre pays, moi, maintenant. Même d'accord que c'est lui qui a tout pouvoir, mais qui ça qui explique que la situation est grave concernant le pays, et pour qui ça, à chaque fois, il dit, mais même ils aient peuple, donc il faut que je joigne un bouc émissaire. Alors, à vrai dire, trop flatteur, il y a un bon côté, lui. Eh oui. Qui fait le cap, dit parole, ça, yo. Trop flatteur, ça veut dire, président, y a dit le cheveu le si haut, c'est un coup blanc lié, bagay, y a dit le salve l'étendé. Et puis, finalement, le pensé, il y a un droit de vie et de mort sous tout le monde, mais ça lié. Sénateur, la tortue. Oui, Jean, début de dévot, ce dia, je pense que je dis, si le président a considéré que c'est un coup monde, ou parce que autrefois, laissez monde là, qui est là. Les peuples là, pas qu'à manger. Eh bien, les ça, yo même, yo prend tout ça, yo gagne, nan, château, oui. Yo bay peuple là, yo fait li. Donc, je dis à moi, parce que s'il considère tes flics comme ça. Pépérite là, au moment, oui. Faut que je dis à l'tabaye peuple la sécurité, li tabal au minimum. Donc, livre les jouis de pouvoir sans qu'elle va gagner rien pour le faire. Donc, c'est-à-dire, nous entravons dans le pays. L'homme tente que le président a dit assumer responsabilité sous chef dans le pays, ça, dans l'État ou assumer. Mais le premier bagage pour le faire assumer, c'est qu'au moins un minimum de résultats pour le débat. Donc, il voulait que il y ait tout privilège, il y ait un hélicoptère, des contrats, $3,500,000, il y ait un monde qui est capable de sécurité, il y a un décret genré, ouais, et je dis à regarder tout ça que l'a fait. Mais il n'y a pas aucune. Bien sûr, vous mettez titane. Sénateur. Oui, il n'y a pas aucune responsabilité. Depuis la vie, ni son l'autre monde. Depuis qu'on va passer mal, c'est pas lui, son système. Alors que, avant, on est au président, ou qu'on a qui pays qui va venir, ou qu'on a qui système qui est là, ou qu'on a qui soit combat, d'ailleurs, on fait campagne, ou un discours, ou dit, mais ça va le faire. Et puis, je dis, il a pas accusé tout l'autre monde, mais c'est pas lui. Sauf lui-même. Donc, on va se son bagage extrêmement grave et ma lançons appel à la classe et pas même classe politique là, à tout le monde dans le pays ça, que Josia, président, qu'on déclare, ce que le fait, il dit n'importe qui, j'en a fait élection, c'est lui qui a bien, et il prend pouvoir, et le monde qui a pris pouvoir, ça n'a même. Donc, Josia, président, vient confirmer. D'accord, alors, et bon, sénateur la tortue, oui. C'est pas vraiment sénateur préfet, mais moi, même panel là, je l'ai gagné, sénateur, du moins, je l'ai dit un petit mot. Patrice, ça c'est notre bonsoir tout le monde. Ça c'est notre attitude. C'est vrai, et moi-même, depuis, il était clair pour moi que Madame Président s'est impliquée dans le dermalogue et que M. Elibert, c'est dans le Sénat, il fait ce qu'on appelle des circonvolutions, il vire, il tourne, il chita, il campe, il rampe, il vole. Tout ça, c'est menti la baille. Ils ont menti, chassons l'autre menti. Ils ont menti, chassons l'autre menti. En demi-vérité, chassez vérité. Sous participation, Madame Présidente, dans le dermalogue. Ça, Madame Présidente, a fait dans le dermalogue. Et il est prouvé que $5 millions, peut-être un petit peu moins, sont capables de mettre dossier, données à jour, ranger tout bagaille, et vous tenter bagaille à venir à 27 millions. Ça veut dire quoi? Effectivement, quelle que soit l'élection qui se fait avec dermalogue, c'est Jovenel Moïse qui a président à vie, la poutinise les paysans. Oui. Alors, équipe Yoa. Jovenel Moïse, ou bien yon l'autre, oui. PHTK. Bon. Deuxièmement, comment on est capable de croire qu'il y a une crise de folie
qui capable de faire au président dit parole après bon Dieu. Nous ne pas parler pour dire après bon Dieu. Parce que de qui vous dit après bon Dieu, ça veut dire que vous c'est le Fils ou le Saint-Esprit comme divinité. On a un niveau de surnaturel oui. qui dépasse les pauvres petits humains que nous sommes. Mm-hmm. À la vérité, M. Moïse tient raison parce que c'est un président d'un cool seulement qui est capable de faire payer l'État que l'IA là. Ah oui, il est clair. Ça veut dire que et son peuple tant qu'on nous pour mettre un monde cool côté lié à tout. Ah, mes amis. Et les individus commettent des erreurs, mais le peuple commet des erreurs tout. Ouais. L'autre pays noir qui n'a pas aucune représentativité au niveau international, l'autre pays noir qui perdu essence républicaine avec la séparation des pouvoirs, l'autre pays noir où les gens n'ont jamais été aussi pauvres, pour nous nommer 150 professeurs alors que l'État a gagné contrat. Il y a un protocole avec l'école normale supérieure pour que leurs étudiants finissent dans l'école normale supérieure pour yo employer yo, yo pas capable ou bien yo pas appelé. Les nous prenons problème de sécurité et de circulation à travers les pays sous route des zones qui gagnent et puis moun qui nommé par président pour faire travail pays c'est manger au moins j'ai institution yo mais c'est au propre yo manger institution yo. Écoutez, nous voyons que Jovenel Moïse tient raison l'elle parler comme ça. Parce que c'est parce que c'est lui-même qui fait nos naïtas. C'est ça. Ok, merci Pépé, merci, okay. Merci. Alors, sénateur, là-toi, tu peux aller. Ah, c'est bon. Sénateur. Oui, allô. Oui. On t'a dit un bruit. Oui. Mm-hmm. Moi, je crois que ça, Pépé Dial, devine confirmer que c'est un dermalogue là, puisque nous sommes dans le Sénat. Et tout sénateur était ouais, ça a été gagné jusqu'à ce que le président Sénat même et le sénateur Lambert étaient obligés de fermer ces séances-là. Donc, moi, quelques jours, je dis à le président qu'on déclaration de faire, lui confirmer le système qui met en place là. Et dans ce sens-là, et moi, quelques jours, je dis à l'international là, gagne peut-être au minimum, et nous connaissons que nous gagnons. Là, nous regardons, nous, l'Union européenne a parlé. Ils ne même parler de l'élection, ils ont parlé de problèmes pays. Bon, comme ambassadeur Lalinde et ambassadeur américain toujours parlé de l'élection, moi-même, je pense qu'à partir de ça, ils ont revenu à la raison pour comprendre que je dis, ah, ça, ils ont essayé de défendre, non, ils sont indéfendables. Mm-hmm. Et que devant la situation, ça, ils ont obligé à accorder priorité à peuple haïtien qui n'a pas qu'à. Je vous dis encore, quitter, choisir un monde pour lui, nous devons être libre pour choisir le monde, et si vous choisissez le monde, eh bien, le système qui n'a pas qu'à faire l'élection. Alors, ça dit à tout, fait me penser que Jovenel, même allié international, ça a eu le mari Pierre. Il m'a répété dans le sens que yo même y a vivre réalité a yo connaît Jovenel pa ka réuni 10 moun en bon poteau et autant des même président ça a dit que quel que soit agent élection fait c'est yo cap gagne ça veut dire blanc vin ouais que Jovenel mettez dans situation pour peuple là ouais c'est yo même cap choisi mettez moun pour nous. C'est ça j'aime on pas connaît sous li article Mediapart là. Mediapart écrit un article dans une semaine ça, c'est peut-être médias européens qui a écrit des articles concernant de ni ambassadeur la ligne ni au niveau de ambassadeur américain. Mm-hmm. Côté que yo dit que yo pas ouais yo même dans toute investigation comment élection a fait alors que international là a parlé d'une élection qui est possible. Donc, je dis à moi parce que après libération, ou bien Mediapart qui vient écrit article. Comment article ça, m'a de courrel, ok. Ah oui, m'a voué le beau. Mm-hmm. Il écrit et il décrit situation, il dit que si on élection qui t'a vite fait là, c'est la plus l'obéir, il y a la guerre. Parce que de toute façon, eux-mêmes, ils ont vérifié, ils ont passé temps et ils n'ont aucune façon pour faire élection. Parce que je dis à question de sécurité, question de légitimité, question même de légalité avec tout décret. Mais même pas c'est l'Europe
gonti distance wil ke l pran par rapport a États-Unis sou question ça sou ap tande représentant de l'Union européenne nan ici de sénateur la Tortue m bazou te tande l tout et mwen li parle j'en parle a il pa wè comment yo pral bay Jovenel a organiser élection sans parlement sans ceci sans cela non. Non, d'ailleurs, il a presque dit, il a dit que Jean-Pierre Yaya est là, Folta a cheminé avant tout vers un accord, avant toute l'autre bagarre. Exactement. Donc, exactement. Moi, c'est que parole, il y a différent de l'autre monde qui a dit que Jean-Lié faut aller à l'élection. Donc, moi, c'est deux points de vue très différents. Et pas oublier que c'est pas au cours d'une cérémonie que l'ambassade de l'Union européenne l'a dit. C'est en conférence de presse même. Que yo bay. Ça veut dire que son position qui a été besoin de faire passer par rapport à tout ça qu'a dit de questions d'élection, tout un série de discours qui était reprendre pendant la fête nationale, yo, eh bien, moi, je crois que l'aller un petit peu dans la ligne, ça, ambassadeur français a dit, quand elle dit que nous, notre situation de danger pour la démocratie et que je dis, la démocratie est en danger dans le pays. Et dès qu'on a besoin de parler, mais à nous, font titan de l'avant, aller justement. Cette instabilité, cette recrudescence de la violence que l'on voit un peu partout ne favorise pas la mise en place de politiques résilientes sur le long terme. Nous sommes préoccupés également puisque nous sommes dans une période un peu entre deux, on ne sait pas trop comment la qualifier, où le Parlement n'est plus fonctionnel, où les élections qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu, où le mandat des autorités locales a pris fin. Donc, c'est une situation qui ne peut pas perdurer, qui est préoccupante. Nous avons aussi, évidemment, dans nos conditions pour appuyer un gouvernement, des conditions qui sont plus liées à l'état de droit et à la démocratie en général. Et là, nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante et qui demande à être réglée. Mais ça doit être réglé par les Haïtiens. Et je ne vois pas... comment le pays peut s'en sortir s'il n'y a pas un accord politique minimal entre les principaux acteurs haïtiens. Ça me semble la voie pour pouvoir jeter les bases d'une discussion et d'un dialogue et sortir de cette impasse. Mais ce dialogue doit être un dialogue inter-haïtien. Et nous favoriserons la tenue de ce dialogue dans la mesure du possible, c'est certain. Mais encore une fois, la responsabilité revient aux acteurs principaux haïtiens d'avoir ce dialogue. Sylvie Tabès, sénateur, vous pouvez essayer de dire nous toutes sortes de dialogues là, effectivement. Oui, il y a deux bagages, m'a dit Jamo. Premièrement, il dit que conditions de droit pour appuyer au gouvernement. Pas là. Il n'y a pas là. Ça veut dire tout dire en bon français que il n'y a pas là avant. Il n'y a pas là. Oui, mais deuxièmement, il y a dit un dialogue inter-haïtien. Et je dis à moi pense, même si on n'est pas bien en tête, les gens, que ce soit la société civile, la partie politique, si ce n'est pas au monde que vous payez, je n'ai pas bon soutien. Donc, non, dialogue. Quand on a une majorité parti politique, société civile, organisation, tout son seul bagage que nous pas qu'à continuer comme ça. Donc on dialogue avec les Haïtiens pour remettre justement les Haïtiens devant responsabilité au côté a dit que ça a pas vrai. Donc moi quoi que je dis à gagner quand même certains alliés, par exemple CARICOM aussi, CARICOM était un représentant qui a parlé de ça. Donc, moi, je crois que, gagner monde qui commençait, bataille à l'Ilong, pendant que, moi, je pensais que le président lui-même, lui, il va côté, lui dérailler, parce que, pas qu'arrêter pour parler, comme ça, contre un président. Ou du moins, c'est une façon pour le tout révéler, ça peut-être tout le monde déconnaît, je dis à le fond aveu, sur la question de Dermalog. Donc, moi, pense, dans ce sens-là, il faut que nous renforcions premièrement entre nous, au niveau de l'opposition de la société civile, pour que, eh bien, y arriver présenter, eh bien, en sortie de transition qui pourra permettre que
peuple haïtien li sorti dans sa lia. Merci sénateur Latortu, merci, merci. À moi de vous remercier. D'accord, merci. Et... alors Jean-Mona, moi-même moi gagne. Bon on va le gouma avec moi. Le petit parce que dans ton dit faut ballon minute parce que c'est français. C'est français n'a pas parlé à Jovenel là. Non, il veut parler langage, j'ai rien compris. Gagne et deux petites observations. D'ailleurs, ben sénateur, vous voulez nous quitter dans ton et puis non, prenez. Sénateur Patrice Dumont et mon petit désaccord tout petit, il dit président Jovenel t'a gagné la prétention pour le poutiniser pays. Moi pense que il ne faut pas comparer les comparables quand même. Et, ça le dit? Non, les sénateurs Dumont dit président Jovenel t'a gagné prétention pour le poutiniser pays. OK. Bref, donc il faut ne pas comparer l'incomparable puisque Poutine c'est quand même c'est un grand homme, oh, c'est un grand chef d'État et la tradition soviétique où qu'on aime très bien qui vit une fédération de Russie, c'est que bref, Mounior est main de chef qui fort et Poutine est extrêmement populaire à Kaili face à un président haïtien qui pas gagné de monde d'ailleurs, si ce n'est que peut-être monde qui acolyte Lio cap bénéficier de façon irrégulière richesse pays. Et puis, c'est on t'y approche ou t'es fait. J'ai moi pensé là, bon nuance. Est-ce que déclaration président embarrassé partenaire international? Non. Moi-même, moi, quoi? Et là encore, avec toute preuve de modération, moi-même, moi, toujours gagné. Et c'est Youn Moun qui pas jamais aller à l'extrême lorsque m'a considéré en droit international les droits et devoirs d'ingérence. Pour moi, le droit et devoir d'ingérence est acceptable dans certaines conditions, puisque au compte gagné des dirigeants, des autorités qui a brutalisé, mais vraiment qui a fait des atrocités contre le peuple. Mais l'attitude de l'international là, dans le cas Haïti, on a l'impression c'est non-assistance à un peuple en danger, à un pays qui est en danger, lorsqu'il y a cautionné un pouvoir, un président de la République dans toutes ses dérives. Donc, est-ce que déclaration président embarrassée, yo? Baronin, c'est vrai que on attendait une déclaration classique en matière diplomatique de représentant l'Union européenne, non, l'ambassadeur français il fait le tout. Mais bref, oui, l'ambassadeur français a fait le tout. C'est que des déclarations classiques en matière diplomatique, moi-même, moi pensé, et si vraiment. Je ne suis pas d'accord avec vous, non, Déco. Sincèrement, pas d'accord avec vous. Ça va arriver souvent, non? Écoute, situation président Jovenel Moïse Météo, hein? Par exemple, dans l'affaire gang, non? Déco, moi, j'ai deux notes assez fortes qui viennent joindre moi, que je suis très estomaqué par rapport à faire défiler gang. Je ne peux pas supporter Jovenel dans tout le bagage, je ne suis pas capable. Et puis, pas oublier, il y a l'enjeu des élections américaines à venir aussi. Haïti, son gros enjeu pour eux par rapport à la Floride, etc. Il n'y a pas qu'à un pays pour eux, bon président, comporter le temps qu'on monarque, et puis comment équipe sortante pour le soutenir ça. Et j'en attends rapidement, Déco, bon, deux minutes. Bonsoir, Jean-Mo, bonsoir, Déco, bonsoir, ingénieur Lovinsky. Salut, collègue. Salut, sénateur Yuri. Et Pépé, l'abdi, Léo Gal, fier de où? Tout département fier de vous. Samedi al cité non un pilou ou va. Oui, non, nous fiers de Pepe Noir, nous fiers de sénateur Noir. OK. Parce que nous estimons à Léogan qu'il est en train de faire œuvre qui va dans le pays. Bon bagage. Bon. Et Jean-Mo, Jovenel Moïse ba ni fou ni enragé. Monsieur qui tête ni droite. Peut-être que le cap prend pour mon fou pour pas payer droit pour pas payer taxes. Il fait exprès de pas faire élection. Côté que c'est lui-même qui a mis le magistrat, il n'a pas fait élection pour député, il n'a pas fait élection pour sénateur, il se retrouve seul maître à bord, il est sur un boulevard, il croit qu'il a fait saler. Jovenel Moïse, par les temps qu'il croit un mot, c'est le renard libre dans un poulailler libre. Et ça fait que journée aujourd'hui, hein, par rapport à la guerre que monsieur déclaré au cap, m'a des garçons, femmes qui n'ont collectif, anciens députés et sénateurs, nous m'a dit des graines dans mon yo, nous m'a des femmes députés ou femmes sénateurs qui n'ont collectif, là, qui mettent des femmes dans la femme,
pour nous allier nous à secteur démocratique et populaire. Bah mais là pas les démons descendant bas, mesdames et dit femmes, non femmes. Avant t'es qu'un limite, nous devons se ramener nos limites. Oui, mais bon, nous avons des mots collectifs là, liés à l'île, à secteur démocratique et populaire, et à reste population, pour nous football journal, Maurice, on le pose en règle. Question en clair, monsieur dit nous football pouvoir à vie, si nous même nous d'accord, que la vie, le PP n'est pas les Français dans la radio de ma conférence. On va se retirer comme dans l'opposition. Si l'opposition, c'est pas un liquide par le calalo que l'a parlé. Une fois que Jovenel Moïse fait une déclaration, il faut que tout le monde qui est dans l'opposition forme une force inexpugnable pour nous faire ce qu'on est, que nous comprenons dans le dia et que cette question de dictature son bagage qui révolue en un pays d'Haïti. Même moi, je crois que a fait ça, l'âme de la dialectique là le passé. L'âme de la dialectique là n'a pas porté résultat escompté. Il est vrai qu'au niveau de l'opposition, nous n'avons pas les moyens politiques, comme quoi, pour nous utiliser la dialectique des armes. Mais cependant, comme pour répéter le docteur Schiller, lui donc je salue, manifestation pour le fait que nous avons venu, c'est au plus pimenté, c'est au plus anti-genuancé. Nous pas les âmes, nous pas l'argent, mais avec les moyens du bord, c'est nous bail Jovenel Moïse, on réponse en règle, et je crois que à partir de demain, si Dieu veut même, si toute force opposition a regroupé en seule femme, en seul nègre, pour que nous empêcher que Jovenel Moïse aille plus loin, ne rêve que le KFC pour vindiger le pays à vie. Sans que moi-même, je n'ai jamais eu une association de malfaiteurs, c'est-à-dire la bataille de Jovenel Moïse, je m'en fous quitter l'opposition. Parce que moi, ce bon n'est qu'à brasser, ce bon n'est qu'à bêtiser, parce qu'à partir de conférences, eh bien, que Jovenel Moïse est au Cap-là, il parle clair avec nous. Ça, c'est un doute à l'argent, mon MP écrou là, pas gué par les Français encore, que nous toutes organisons nous, que nous toutes nous entendons nous, que nous toutes les Haïtiens qui pas d'accord. Jovenel Moïse sous pouvoir. D'ailleurs, toujours dit, je vais finir rapidement, oui, avec Jovenel Moïse. C'est la prolifération des gangs dans le pays. C'est le vol, c'est le pillage. On prend, c'est la médiocrité à hauteur. C'est l'incompétence, c'est l'incapacité. On prend, si va la bon, on prend, si bon, si les gars, même dans l'école, nous venons le dire, nous-mêmes qui dans l'école, il y a même des gens, nous, on a des gens, nous, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Figure tout le commissaire gouvernement, non? Figure tout le bête à deux balles. Déco, vous m'êtes allé, c'est seul avec Tig, qui me balle, qui me dérange. Alors, l'autre remarque, moi, t'as fait observation sous intervention sénateur Yuri Latortu. On connaît avec déclaration président Jovenel qui dit pas de monde qui a pris l'élection en main. Moi, je viens comprendre pour qui ça, à chaque fois. Monsieur Stanley Luka a parlé, il y a un processus d'intoxication pour dire que les gens qui sont dans l'opposition peuvent aller à l'élection. Donc, moi, je crois que lorsque Stanley Luka a parlé, et on sait les relations qui existaient en Stanley Luka et pourquoi ça, donc c'est comme si c'est montrer dans l'opinion, montrer population que des leaders de l'opposition peuvent affronter la réalité des élections et puis yo connaît quelle que soit façon élection en fait yo déjà préparé cabanyo pour yo prendre son premier remarque me croit que peuple en cap tendé qui qu'on a habitué tendé monsieur Stanley Luka eh ben n'a pas comprendre que manipulation ça a pour nous pas prendre. Deuxième chose dans question 4 démagogue là Jean-Mona Metellus. Mon détail, mais qui est important, puisque moi-même, plus vivre en province que dans la capitale. Là. Est-ce qu'on connaît Forgain Marraine, Forgain Parraine pour jouer 4 démagogues là? Ah bon? Et là encore, c'est pas anodin. Pendant que vous attendez, vous avez gagné toute
disposition qu'a prend pour que yo bail 6 millions caté des malogues, eh ben moi dit gagner le monde, c'est avec en pile difficulté, c'est presque régulièrement moi gagner le monde dans des sections communales, de monde qui dans des communes dans le plateau central, et m'imaginer c'est la réalité à travers tout pays, hein? Moun nan jou, ah, déco, ça fait 2 mois, oui, depuis, nous t'ai fait 4 là. Chaque temps passé dans le bureau, nous pas qu'à joindre. Donc, j'ai l'impression tout, dans la question 4 des malogues, ça, le fait que pouvoir li a sélectionné moun livlé, peut-être moun yo connaît à travers phénomène mon cash qui était sort organisé là, à travers cette affaire soi-disant de restaurant communautaire. Donc yo ciblé en série de moun yo connaît, c'est de moun peut-être yo mettait dans situation de servitude et yo assuré yo que c'est moun ça yo qui joignent quatre des malogues. Et si pas malheur l'opposition ou de prétendants candidats qui tout simplement envie à l'élection et que ou pas appréhender susceptibilité ça yo, et puis ou pral l'élection tête baissée et pouvoir ça l'a accaparé tout poste électif yo côté y a nommé moun yo et les ça yo pral jou ah écoute. Et c'est dans la radio nèg ça a été qu'on a parlé, mais le peuple n'a pas fait confiance, et voilà, à l'issue des élections, peuple, c'est mon pouvoir de voter. Parce que, on pas qu'à comprendre pour qui raison gagner autant de publicité sur cette affaire de cas des malogues, moi je dis encore une fois, et j'en m'en ai capable d'enquêter ou même, et peut-être. 2 millions moun kap étendre intersection yo kapab yo même à travers commune à travers département yo et bay témoignage ça c'est que fòk ou gagnen parraine marraine pour joindre quatre des malogues là et ou imagino gagnen des communes par exemple au côté tankou Mianbalè qui fait 4 grandes sections communales pour un moun fait 4 des malogues là fòk li soti dans section pour vin dans centre ville là oui et lorsque gagne 6 millions de cartes pour yo tabay, pour soi-disant ta fond élection prochainement là, on but au maximum, si moun yo ap travay, yo pas qu'à recevoir plus que 10 à 15 moun pour journée, non? Parce que c'est tout un processus, les moun pour le chita, pour yo faire photo, pour le remplir, etc. Donc, ou imaginons, à ce rythme, et lorsqu'on arrive dans une commune qui gagne environ 200 000 moun, son seul bureau, donc, qu'il le yo tap gen tan bay tout moun quatre des malogues ça. Donc tout ça c'est pour nous faire peuple haïtien comprendre que cette affaire de quatre des malogues effectivement c'est une histoire arrangée de pouvoir pour que yo renouveler propre tête yo nan magouille pour que yo renouveler propre tête yo parce que c'est eux même qui maîtriser système yo. Peut-être Jean Monnat avant collègue Hugues Célestin l'y intervenu et nous remercions au niveau collectif et ancien député opposition avec Alieo ou Tebay Lecune ramassé note nous fait sortir sous situation député Arnel Belize. Évidemment de prime abord nous-mêmes nous dit dans collectif là tout le monde c'est justiciable y compris Arnel Belize. Arnel Belize était objet d'une arrestation gagnait et des accusations qui portaient contre lui. Eh bien, et la justice tout tracé de procédure qui doit respecter. Déjà, gagner le préjudice qui fait avec le justiciable Arnel Belize. Gagner plusieurs juges d'instruction qui passaient sous dossier ça, qui désistaient parce qu'ils ont fait objet de pression. Et finalement, gagner un juge qui lui-même conclut et lui baille ordonnance, li, nous gagnons un commissaire du gouvernement. C'est pas vous qui faites déclaration, c'est pas moi qui fais, c'est commissaire ça qui t'a sillonné plusieurs stations de radio. Il t'a dit, les papes interjetés appellent. Et puis, Brice Soukou, nous, ouais, gagnons une démarche politique, politicienne du pouvoir pour que yo assurez yo de façon irrégulière, de façon cavalière, que yo kembe Arnel et qu'on sort en prison. Donc, nous autres, tout en reconnaissant le droit pour que la justice lui-même lui sévit,
tout en admettant que Arnel Belize et Mouniotti arrêté avec lui, c'était justiciable, il n'y a pas au-dessus de la loi, mais tout nous dit inacceptable pour que c'est une orchestration politique, pour que c'est un bagaille politique capé réglé pour faire de Arnel prisonnier politique et de Mouniotti arrêté avec lui, c'est comme si pour même mourir en prison. Et c'est ça que fait. Collectif là, les engagés et des avocats qui étaient parlementaires et d'autres tout qui pas parlementaires, dans ton léger qui souhaite passer là, mettre Joseph Manès, lui, mettre Franck Lauture, qui et fait partie de collectif là, ils entendent renforcer et noyau avocat qui sous dossier ça pour que d'abord nous fait population connaît de quoi il s'agit, que c'est une question politique qu'a réglé côté et pouvoir encore une fois les interférer, les empiéter sous rôle la justice, parce que tout simplement les voulait quimber le citoyen en prison. Et puis il y a cette histoire de code pénal qui est toujours d'actualité. Jean Bonamé Deluce Matéan, il me passait son personnage public puisque son débat public. Moi, t'es outré. L'aime tendez, yon ancien ministre, pour ne pas le citer, Maître René Magloire, qui t'a invité son station sœur, puisque comme il était dans la commission qui travaille sous question code pénal, ça, qui t'a tenté justifier cette question d'homosexualité. Moi, dis-moi, outré pour qui ça, Jean-Mona. Évidemment, moi, qu'on y a habitude, comme journaliste, comme Théié, et côtoyer René Magloire lorsqu'il était ministre de justice. Bon, son monde qui a un tempérament, évidemment, très calme. Mais, moi, quoi que, assumer avec pouvoir ça, pour tel code pénal, côté légaliser l'homosexualité, et en écoutant ce matin, justification, yo, moins dit, moins outre. Monsieur Magloire dit, la question d'homosexualité qui bien évidemment répétée et répétitive dans le texte à Jean Mona, c'est comme si il dit, c'est parce que Haïti a metté le pas avec une convention de la Cour interaméricaine que nous t'es adopté, voire ratifié en 79, et dernière étape là c'était en 98. Mais moi, dis-moi, outré pour qui ça, puisque moi, respecter niveau et compétence intellectuelle de M. René Magloire. Mais j'ai pas l'impression dans le pays, ça, Jean Bonnat, c'est comme si il y a de monde qui pensait que c'est seul lui-même qui a visé, qui a connaissance, et tout l'autre monde, c'est imbécile. L'aime attendre l'ancien ministre et qui est membre de la commission de travail sous code pénal, ça, c'est comme si ça avait les hiérarchies d'un homme n'a pas existé encore. Oui, Jean Mona, il y a un maxime latin qui dit pacta sunt servanda. Les conventions sont faites pour respecter. Oui, nous d'accord, principe qui dit lorsque un État parti li adopté li bay accord avec un traité ou bien une convention, convention ça li vin intégré arsenal juridique pays. Mais toujours est-il bon prêt à la bouche, Jean Mona. Il dit faut convention ça en conformité avec constitution. Il me l'a dit, il me l'a colonel, il me l'a rébumando en motion. En motion. M'a dit, il m'a parlé, m'a fait les livres, m'a quitté au fini. Moi, il faut qu'il y ait en conformité avec constitution. Oh, mais promotion à nos colos. Merci. Député outré, député tout va bien, mais enquête. Citoyen qui t'a parlé à son citoyen canadien. On va prendre ça. Merci, René Magloire, oui, René Magloire. Pour qu'on ne comprenne pas, son citoyen canadien, et ouais, premier monde qui dit que tu as monté le drapeau dans le pays, c'est Canada, donc ça va comprendre là. Je ne vais pas pour l'outrer, non. Outre, René, de outrer des attitudes, monsieur. On a parlé pour ce qui était pour qu'on qui est-ce qui a parlé, c'est fini. Expect travail de travail, dans le faut voir qui est-ce qui paye. C'est du monde pituier, déco. Ou du outré, ça veut dire que ou pas qu'on typologie moun kap travail kap vin prêcher l'évangile yo faut al bin wè de ko ça rele tonton rebil ta di ou. Ah ben merci mon cher, parce que ou citoyen canadien kap defann bagay peyil.
et qui touchait pour la faire travailler pays. Et le premier pays qui demande des droits pour m'assister dans le pays, c'est le Canada. Le Canada. Donc, on va comprendre là. Très bien. Merci beaucoup. Merci, colonel. Sauf que, moi, t'es rajouté pour me dire, il défend très mal parce que j'ai l'impression, et tentative d'explication, ça, il fait preuve. Dont arrogance, c'est comme si c'est lui qui maîtrisait, qui comprenait Régio. Et c'est ça que je souhaite expliquer là, c'est que oui, les conventions sont faites pour respecter. Oui, lorsque un pays est à partie d'une convention, automatiquement pays li signé un ben convention ça ou traité ça, Lévin fait partie de législation nationale là. Cependant, dans le cadre de la hiérarchie des normes, faut que convention ça, Sylvine fait partie de loi interne, non, faut en conformité avec la Constitution. Or, en écoutant ce matin l'ancien ministre René Magloire, c'est comme si c'est loi et c'est Constitution pour mettre en conformité avec loi, c'est pas loi pour mettre en conformité avec Constitution. Puisque à aucun moment de la durée, ou bien l'impression, et c'est là que je viens de comprendre encore, démarche, pour que, c'est comme si son constitution avait déjà été en veilleuse. Yeah. C'est là que je comprends pour qui ça, monsieur Ovlevini, avec une nouvelle constitution. Parce que, quand journalistes et des auditeurs qui t'ap suivent m'ont dit pour que les clarifier cette question d'amnistie, eh bien, ministre René Magloire, tu as pris du temps, oui, pour un article dans la Constitution qui parlait de questions amnistie. Ça, c'est comme si la Constitution est secondaire, non, et cette affaire de code pénal, c'est comme si pas de bonne Constitution. Donc, moi-même, c'est ça qui fait moins dit, moins outré, hein, parce que, en plus, Jean Mona, le professeur et maître René Magloire, il était quand même ministre de la Justice sous la présidence du président René Préval. Et il était même conseiller dans le palais national. Or, c'est dans la même époque ça, amendement constitution. Amendement constitution a été préparé. Donc, je comprends très mal, un monde qui était aussi impliqué dans le pouvoir qui était à l'origine de l'amendement constitution, hein, pour que les travaille dans un code pénal et que les adopte sciemment ou imposer sciemment des dispositions qui contraires avec l'institution, ça. Donc, c'est ça qui grave, là. Donc, moi-même, moi, crois que les codes pénals, ça, les problématiques, et encore, et professeur a connaît très bien, ou capable est à partie non convention, ou capable signer, mais ou capable d'y avoir des réserves sous une série de clauses dans la convention. Ou lors même que ou t'as ratifié, adopté tout traité, hein, à un moment de la durée, si sociologiquement, on rend nous compte que il y a des dispositions qui contraient avec réalité sociologique nous meus nous, eh ben, nous capables carrément retirer de traiter ou de accord ça. On l'a vu avec et Donald Trump qui carrément sorti dans l'accord de Paris. Bref, nous pas parler. Alors, dites-moi, m'obligez quand pour rapide, parce que il côté il y a même signal, il va gagner, Isaac Forel, comme ça. Il Céleste me connaît que IPAM écrit, on l'a tout l'ouvri, by toute structure, parti politique, organisation qui t'a écrit, secrétaire général Louné. Pour qui ça, l'être ça, rapide, et pour qui ça, l'être ça, c'est premièrement pour nous, et fixé. Faut saluer des collines qui avaient moi. Allô? Faut saluer député des collines Abel qui avaient. Ah, député des collines, comment nous y est, mon cher? Drôle de coïncidence, c'est pas seul groupe que je ne pas saluer, non? Jean Mona a tellement dit très rapidement, lorsque tout lagué, député des collines, et ça, comme dit, drôle de coïncidence, c'est semaine dernière. Nous t'en sommes. Nous t'assassons semaine sans qu'on nous ensemble. Jean Mona, c'est pas seulement un député de Pauline Mapsa. Non, c'est moi qui faut faire ça. Tout l'autre ami qui regroupe dans la structure collectif. Collectif de Pauline a dirigé ou a permis de saluer auditeurs, auditrices à l'intersection. Tous les camarades de l'opposition à qui nous adressé l'ETSA et en même temps, nous avons salué toutes camarades IPAM, Initiative Patriote Marien, dans le nord et le nord-est. Pour qui ça, l'ETSA? L'ETSA, c'est pour nous, comme nous avons dit, refixer position nous, par rapport à la conjoncture et déterminer, et l'EMZI déterminer, nous, et déterminer
vision nous, informer de vision nous, engagement nous et position nous, ça comme se dit. Laisse ça nous analyser de manière très et succincte, nous faisons analyse très succincte de conjoncture. Côté analyse nous, nous constatons de un marasme économique. Le pays a plongé dans une situation de marasme économique que lui pas jamais connaît. Une gouvernance irresponsable à travers un gouvernement de facto que un président irresponsable, qui c'est président Jovenel Moïse, a dirigé. Une mainmise totale capitale de espace politique en un pays par acteurs internationaux qui regroupés en dans structure qui est le corps groupe là. Qui, même structure ça, il y a promouvoir l'activité que y a mené en un pays d'Haïti, c'est promotion que y a fait pour gagner un autre Rwanda en un pays d'Haïti, il y a renforcé le chaos politique là dans le pays là. Et tout ça, ils ont contribué à effritement et ça, notre souveraineté nationale. En deuxième analyse, nous fait ressortir institutionnalisation gang en un pays d'Haïti. Donc, il y a une milice en un pays d'Haïti qui par contre non milice, donc volontaire pour sécurité nationale que Duvalier a mettre en place. Mais qu'on y a là, c'est Gastéo qui a accompagné le pouvoir, qui a accompagné l'action politique, l'action répressive et que le gouvernement fait. Tout ça, il y a fait en bas complicité délibérée de force de sécurité en un pays d'Haïti. À côté de tout ça, nous proposons. Comme toujours, l'initiative Patriote Malien toujours a proposé, nous croyons que les amis de l'OPL Fusion et secteur démocratique qui était uniforce que nous avons signé et document lettre là pour nous dévoiler et ambassadeur avec eux, pour nous dire comme ça il faut que gagner organisation et un dialogue politique de toute force opposition pour construire un leadership consensuel qui pour adresser grand enjeu institutionnel et assurer gestion conjoncture politique. Ça important. Ça très important. C'est créer et puis créer une commission. En commission mobilisation pour étudier stratégie pour relancer mobilisation populaire afin que nous joignions départ Jovenel Moïse dans le meilleur des délais. Et ça, ça veut dire que si nous avons gardé Jean-Pays à Pinkrasé là, date limite là, c'est avant 7 février 2021, mais autant de fois que nous avons fait ça. Avant, nous avons poussé d'eau et président Jovenel Moïse avant 7 février 2021, nous avons fait toute activité qui est capable de nous arriver là. Créer un comité orientation mixte à tout secteur politique, société civile là, pour nous faire choix dirigeant qui pour prendre leadership transition. Quatrièmement, mise en place de un comité de négociation avec communauté internationale là. Et comité ça qui est pour mission négocier, c'est par Jovenel Moïse, dans le meilleur délai, comme je dis, dénoncer violation systématique de droits humains et chercher solidarité internationale, avec l'autre pays, dénoncer dans le forum international, comportement copinage diplomate et certains acteurs internationaux en Haïti pour le perpétuer système en place là. Et ça qui en dans l'être là pendant nous insister à ce gagner une unité historique toute force progressive qui pour permettre que nous opérer sortie de crise durable en dans pays d'Haïti. Et c'est ça
et ça c'est fondamental l'aide initiative patriotique. D'accord, m'espérer n'a rien à parler parce que je dis à nous on t'a bousculé. Merci en pile, parce que c'est une très belle initiative. Demain n'a plus l'être là dans émission intersection. Merci. D'accord, on a eu. Et Abel n'a pas le conclu pour nous rejoindre l'auditeur. Alors, moi, je pense que mot de conclusion, Jean-Mona Metellus, c'est peut-être on l'autre thématique, oui, mais dans une prochaine occasion, n'a pas parlé davantage sur lui. Moi, quoi est important tout. C'est vrai que vous toujours fait. Les Jean-Charles Molière après. Donc, c'est important. Vous toujours fait pédagogie ça dans l'émission Yo Jean-Mona et tout à travers invité au Konyen. Et en pile monde qui n'a pouvoir ou si là qui a joui de pouvoir ça, à chaque fois, il y a parlé de transition. C'est comme si c'est de monde qui voulait les assoiffer de voilà, pouvoir. Voilà, des assoiffés de pouvoir. Alors que dans la réalité, et c'est sans parler de pédagogie, si bon monde qui crée les conditions pour la transition, c'est Jovenel Moïse. Président Jovenel, parce que, moi, quoi, j'en m'en a très rapidement, puisque faut prendre auditeur, autant que un monde capable de contester la présidence de Joseph Martelly. Mais, à tort ou à raison, Martelly t'es quand même fait de tentatives pour le mettre CEP sous pied. C'était CEP avec Josué Pierre-Louis, au canton, etc. Il t'es quand même fait tentative pour que bon loi t'es voté dans le Parlement, mais il t'es fait face avec hostilité six sénateurs. Alors que, ça le peuple a doué qu'on est. Et c'est pas nous qui avons inventé. Président Jovenel t'es gagné toutes conditions lui-même. Pour le organiser l'élection en 2018, élection pas faite en 2018, c'était pas la faute de l'opposition. C'est président Jovenel qui n'a en velléité pour te enterrer dossier Petro-Caribéa. Lorsque les fait réunion dans palais et que yo calculé yo wè, si il y a 10 sénateurs qui allaient, 8 dans 10 sénateurs qui t'appralé yo, c'est sénateur pouvoir que yo. Et sous base calcul ça, yo dit au pas prêt prend le risque. Fait élection en 2018 parce que c'était sénateur Kato et sénateur Beauplan qui était yo même t'es doué aller. Ça veut dire 8 lotio, c'est sénateur pouvoir. Mais raison qui fait élection pas faite en 2018. Donc c'est la responsabilité, la faute du président Jovenel. Loi électorale. Très souvent, moi toujours vraiment très peiné l'entendre de collègues, de confrères journalistes qui acquiesçaient dont manipulation pouvoir qui dit te voye loi électorale dans le Parlement. Pas de jambes bien loi électorale dans le Parlement. Te gagne transmission administrative dont document électoral dans le Parlement. Yon projet de loi réputé officiellement dans le Parlement, c'est lorsque bon ministre qui fait exposer les motifs. Là. Document arrivé, lorsque pour exposer à table faite, c'est même président Jovenel qui met ensemble avec majorité qui capotait gouvernement Jean Rissier. Donc, ça veut dire, ce n'est pas la responsabilité de l'opposition qui fait pas gagner une loi électorale qui t'est votée. Maintenant, deuxième lundi du mois de janvier 2020, élection t'est faite. Bien, on fait rappel ça. Qui est-ce qui est responsable qui fait élection ou pas faite? Encore, ce n'est pas la responsabilité de l'opposition. Donc, c'était un président qui était une volonté délibérée, qui était planifié pour que l'irrivé non situation, effectivement, pour le diriger comme un despote, pour le diriger d'un coup en monarque. Donc, il est clair que la transition, c'est président Jovenel qui créait condition ça pour moun qui a parlé comme si c'est des opposants ou bien c'est de moun qui besoin de transition. Moi, je crois que réalité ça, faut que peuple entende, faut que peuple la comprenne. Et dans l'état actuel des choses, c'est que l'élection pas capable d'organiser. On dit déjà, parce que par contre, si je me trompe, mais moi qu'on est, conseil électoral n'a pas qu'à manquer un morceau, non? Déjà manquer un mot. Ok? Donc, comme c'est un monarque, c'est un despote, peut-être un bon jour qu'à lever demain matin là, ou on arrête ce petit dans le moniteur, il nomme un mot. Ok? Pour remplacer conseiller Saint-Hubert. Mais, et déjà, conditions pour organiser élection, donc on ne peut pas dire pas du conseil électoral, puisque
conseil électoral là, il doit gagner 9 membres pour le fonctionner et journée jeudi il y a 8 membres. Et moi crois que de moun sa yo j'en te dit préalablement qui dans conseil électoral ça, m'pa kwè yo besoin ni tonton Jeanne ni ni ma tante Jeanne ni tonton Baron Bichard qui pou vinn di yo et démissionner. Puisque yo c'est des hommes et des femmes, et d'ailleurs, par le passé, et c'est ça moi-même, qui ont si gens. Outré ou encore. Mais, outré, mais le monde n'est pas trop froid, effectivement. Puisque l'entend des sectes femmes, dernièrement là, Gomba Gaïtianik Souti sous Dr Jamba, mon Dieu, tout le monde montait au créneau, okay, toute organisation. Ouais. Donc, même t'as rien m'étendu, dans les prochains jours, secteur organisation FOMIO, qui compréhension yo des situations représentant yo gagné dans le conseil électoral ça. Ndare m'entendé et ami à LMH et les grands patrons de des médias. Bref, est-ce que ça ka fait me pas joindre espace pour me parler encore, mais même t'as même qu'on est qui ça yo penser de situation paysan pendant que yo gagné un représentant dans le conseil électoral et fictif et qui pas opérationnel. D'arrêt m'étendre et moun fédération protestante, puisque Jean Danton Léger Tabdila fait de notes de presse, crie au scandale, rete sous chez l'église, yo, dit nos pables massima, dit oui, mais quand même, moi, quoi, faut gagner plus que ça, puisque pendant n'a dit nos pables massima, dit, hein, mais c'est comme si indirectement n'a consolidé et un président de la République un pouvoir qui lui-même a mis des tentacules justement pour instaurer une dictature. Merci Deco, merci infiniment et ben, nous passons un bon petit moment là. N'après aller observer pause là et Colson et puis pour nous venir avec auditeur tout à l'heure.